Et bonjour! J'ai un aft au bout de la langue, hein. C'est ça que je vais parler bizarrement sûrement aujourd'hui. Je vais vous rapprocher de là, attendez, bougez pas. Comment ça va? Bah tenez, attendez, je vais aller me chercher ma bouteille d'eau, bougez pas. Ça fait du bien. Bon, je vous ai pas trop manqué? Oh là, attendez, bougez pas. Des fois, ça lui arrive à mon truc de logo de déconner. Ça y est, c'est bon, c'est réparé. Voilà. Bon, aujourd'hui, Devil May Cry 3, on finit la trilogie. Bon, petit rappel, comme à chaque fois que je lance un jeu DMC, petit disclaimer. On est sur un jeu PEGI 18, donc violence, gore, un peu de sang, des conneries comme ça. Si jamais vous êtes sensible à ça ou que vous êtes trop jeune, quittez le stream. Bien sûr. Je ne vous en voudrais pas. On est parti, je vais pas passer 300 ans. On va se lancer le jeu. Attendez, bougez pas. Voilà. Je veux juste être sûr qu'on entende bien le jeu par contre. Et moi par rapport à ça? Ouais, je gueule un petit peu fort. Ok, on va se lever un petit peu le son. Parce que la musique de DMC est beaucoup, beaucoup trop bien. Non, c'est dans les filtres. Mon limiteur, il est à moins 29. Je vais le mettre à moins 25, je pense que ça ira. Ouais. Ok. Bon, ben, on va en profiter, on va aller sur la cinématique. Je teste le son vite fait. Ok. Je vais essayer de skipper ça assez rapidement. Voilà. Parce qu'après, sinon, ça va spammer. J'ai pas. Ok. Voilà, comme ça on se passe spoil. On continue là où on en était. On n'a pas beaucoup avancé. J'étais un petit peu fatigué la dernière fois. Donc on venait de commencer la mission 4. Ok. Il me semble d'ailleurs la VOD, elle est sortie sur la chaîne de replay. Je vous rappelle que vous pouvez checker ma chaîne YouTube. Normalement, il y a la playlist des VOD. Ah, je l'ai peut-être pas mise à jour. Je vais le faire. Bon allez, on est parti.
Je vais peut-être me monter un petit peu le son, moi, histoire que j'entende. Ah, on avait déjà vu la cinématique, ouais. Sérieux, c'est le surkiff à Virgile quand même d'être au sommet de tour. Hein. On va rester en trickster. Parce que les autres, je l'aime pas trop. Voilà. Équipé. Ça c'est bon, ça c'est bon, ok. Objet. Je pense pas que j'ai besoin d'en avoir. Ouais, on va économiser les orbes rouges, elles se font un peu rares dans ce jeu. Ouais. Ici, il va falloir beaucoup qu'on compte sur les techniques de base parce que s'améliorer, c'est un petit peu cher et c'est un petit peu compliqué. Allez, on est parti. Va falloir faire un petit peu de grimpe. Je vois les orbes là, on va se les choper. Ah putain. C'est vrai que ce DMC par rapport aux autres, il a un platforming un petit peu plus compliqué. On va en chier les enfants, je vous le dis tout de suite. Bon, bah, je vais pas par là. Flemme. On va regarder de l'autre côté. Je crois qu'il y a la porte en plus. Ouais, non. Par contre, je vais redescendre là. Ah, elle est là, la porte. Ah, putain. En fait, je l'avais ramassé l'orbe aussi. Bon, j'ai été greedy. C'est moi, c'est ma faute. On va explorer un petit peu plus avant de continuer. C'est bloqué par là, ok. Et par là. Ok, d'accord. Donc on va là. Là, normalement, il y a des ennemis. Alors, on est parti. Ok.
Bien, c'est que ces créatures en soi elles ont pas beaucoup d'endurance. Ok. À celui qui possède la volonté de la tempête, je lègue l'âme de l'acier. Ah, c'est par là que je dois aller. Ça, c'est juste une certaine forme d'anticipation. J'ai pas envie d'avoir à les affronter après. Quelque part, hein. Non, je pense que c'est bon. Let's go. Ok, parfait.
Vous voulez m'avoir à distance, je vous ai à distance, moi, y a pas de souci. Aussi je peux le faire. Voilà, easy. Ok, faut que j'aille à la porte jaune. J'ai pas compris. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ok. Donc je vais là. Et il y a un objet que je récupérerai et que je devrais revenir ici, c'est ça? Ouais, c'était sûr. Bon, on va poutrer du monstre. Je fais 0 dégâts. D'accord, je vais en profiter pour regarder s'il n'y a pas un item quelque part. Non, ok. Bon, bah c'est par là alors. Oh non. Oh, chiantos. Tu vois, ce boss il est ultra chiant.
Je sais plus si je la prends qu'une fois ou deux. Parce que dans mes souvenirs, il est chiantos, hein. Ok. C'est que si je fais pas attention, je peux vraiment canner, hein. Ah, et c'est là que je peux lui monter dessus, faut pas que je loupe le train. J'ai loupé le train. Ah, il y a un deuxième épisode. Ah, fais chier. Et je vois rien. Hein, on rappelle que DMC 3 est censé être le meilleur des 3 DMC. La caméra est à chier et on a un boss pourri. Quel bonheur, hein. Et je me suis fait toucher. Oh, se fout de ma gueule. Bon, pour la faire courte, je suis mort. Où est-ce qu'il part? Ok, qu'il arrive là. Ah putain, j'ai pas pu lui sauter dessus, fichier. C'est bon, je l'ai. Ou quand il s'est énervé d'un coup là. C'est bon, je l'ai eu, let's go. Ouh. En fait, celui-là il est ultra chiant donc. C'est pas garanti qu'on l'ait en fait. Hop.
Allez, c'est parti. Ok, on sait exactement où le mettre. Oh, m'a fait peur, je vais le passer en silencieux. Qu'est-ce qui est trop cool, Jester? Attention, basket! Beaucoup trop cool. On a mis combien? 15 minutes, ouais, c'est pas ouf. On va sauvegarder. Oh, ils sont chiants, eux. J'ai combien d'orbes sur moi? Je suis pas loin du double saut, et le double saut, ça me servira beaucoup dans ce jeu. Ouais, on va économiser. Prochaine mission pour acheter le double saut. Thank you.
Tu vas arrêter de les viser, tu vas faire ce que je te dis. Tu grimpes et tu tires. Obligé d'utiliser un item, ces ennemis sont beaucoup trop chiants et j'en ai pas, je suis mort. Ah putain, j'ai lancé une esquive là. Ouais, je préfère. Ouais. Où est-ce que ça me ramène ça? Ah, ok.
Il va me tuer là. Allez, 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 allez. Oh l'enfoiré. Voilà, goodbye. J'aime bien les petits oups. Ah, il mérite tellement de claques. Ça y est, j'ai le double dash. Et j'ai ça. Enfin! Dès que j'ai le double saut, on est nickel. Il me restera plus que le devil trigger après, puis on est bon. Ils vont me faire repopper les monstres ou pas? Ah non, c'est bon. Et voilà. Hop. La Vajora. Oh, je sais exactement où l'amener. C'est là que je vais aller. Ah putain, j'ai appuyé sur rond comme un con. Mon lecteur CD galère un peu là. Vu que je suis sur une vraie play. En vrai, c'est sur ça qu'on va perdre le plus de temps. Hein. La petite escalade sur le mur, elle était cool là. C'est bon, ils ont pas repop. Let's go. Ça va sûrement trigger des ennemis. Évite essence d'une âme puissante et vaillante, évite son possesseur de tomber
Sombrer dans les abysses, let's go, je sais où ça va. On commence déjà avec les cacs. Quoi, il y en a encore un quelque part là? Où ça? Putain, tu as niqué ma note de style, donc je te jure que je te déteste. Là, ils vont repop. Allez, j'ai pas le temps pour vous. Alors, ah, putain de merde. C'est par là, non? Ouais, c'est bon. Et maintenant que j'ai une âme d'acier. Voilà. Ça va, un combo A là-dedans, je sais faire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Éliminer tous les ennemis sans vous faire blesser. Tu peux voir? Ok. Flemme. Flemme de fou. Mais au moins on sait où aller.
suite là, faut que je me dépêche. J'ai pas d'item. Ça va me faire repop où cette histoire? Ok. Bon bah c'est là, ça va alors. Putain, je les déteste. La première fois que j'ai joué à DMC3, j'ai mis des heures à le faire ce passage. J'espère juste que je vais pas en chier comme la dernière fois. Ils vont repop en plus, hein. À part là, rien, ok. Ah, donc ça, c'est la porte qui mène vers Agni et Rudra, je suppose. On va casser quelques trucs. Ok. Voilà. Je vais aussi en profiter. Je vais en avoir besoin. J'en prends deux. Voilà. Et on est parti. Wants to go through. Got it? Our job
Allez. Mort. C'était sûr. Ce combat il va être chaud, hein, je vous le dis. Hein. J'ai des objets au moins ou pas? Pour ça que je préfère le moveset, même si franchement c'est assez, on va dire, sacrilégieux à dire. Mais je préfère largement le moveset de DMC2 que de DMC3 ou DMC1 parce que, en fait, dans DMC2, tu as déjà tous tes combos, tu vois. Il n'y a pas de problème de skill ou alors j'ai pas amassé assez d'orbes ou quoi que ce soit, tu vois. Alors que dans DMC1 et DMC3, tu es obligé de débloquer des compétences. J'ai toujours trouvé ça nul, en fait. Dans les DMC de suivants aussi, c'est... Voilà, quoi. À la limite, le seul DMC qui a à peu près bien géré ça, je trouve, c'est bah, c'est le seul qui est décrié, c'est DMC Devil May Cry, le remake de Ninja Theory. Parce que... Ben, c'est pas capricieux C'est pas... T'as pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes d'orbes rouges, puisque t'as pas besoin d'orbes rouges quand tu butes. Les adversaires, ils te donnent de l'XP, on va dire, et en grimpant le level, c'est comme ça que tu débloques des compétences. Et du coup... Voilà.
Ça qui devient horriblement affreux à affronter. Là je vais en chier là. Là je vais en chier. Tu vois. Des fois j'aimerais pouvoir faire ce jeu en New Game Plus. Vraiment hein. Parce qu'avoir un moveset aussi restreint c'est chiant. Mais chiant. Ça, j'étais bien placé. Ding. Voilà, ciao. Je baisse sa vie au maximum. Allez. On est parti, mais la première chose que je dois faire, c'est une esquive. Et voilà. En fait, faut pas que je les bute tous les deux. Faut d'abord que je baisse leur vie au minimum. Mais quand ils sont à deux, ils sont chauds à gérer. Mais pas aussi chaud que quand ils se mettent à deux sur Thor, en fait. On est reparti, on va tenter. Tu vois, et là je vais me focus sur le rouge maintenant.
Là, il lui reste plus de vie, moi non plus, donc c'est vraiment à celui qui donnera le premier coup en premier. Allez, envoie ton attaque. Et voilà! Faut jouer straté contre ces deux-là. Ah oui. À une condition. Okay. But on one condition. What is it? Name it. No talking. Fair enough. As you wish. Ok. Là, j'ai mis un peu trop de temps. Qu'est-ce qu'elle est classe? Surmonter les épreuves pour ouvrir une nouvelle voie. Oh, chier, c'est celle-là. Oh, il y a toujours une mission comme ça, là. Je vais voir combien d'orbes j'ai, mais normalement, j'en aurai pas beaucoup. Est-ce que... Ah, chier. Et je pense que je vais garder Cerberus.
Je pense qu'on va apprendre ça. Ça doit être bon, ouais. Allez, on est parti. Ok. D'un regard perçant, la statue de déesse pointe, fixe la porte d'entrée. Ok. Eh mais ça sert à rien ça. Ah d'accord. Y a pas un truc à débloquer ici? Y a quelque chose par là non? Ok ouais donc il faut vraiment que j'aille par là. Surmonter une épreuve est insuffisant, surmonter deux épreuves ouvre deux horizons. Et surmonter toutes les épreuves permet de trouver l'accomplissement. Ok. Ok, on va commencer par la sagesse. Donc 4, 2, 3. Ok, on retient. Et 3. Ok. Et on fait des obstacles. On va voir ce que c'est. Ok. L'essence de la technique. Je suis pas obligé de les affronter, je suppose. Ouais. Je suis pas obligé, je vais pas perdre mon temps. Ok, on va faire la troisième. Tous les blasons pour éteindre la rage de l'esprit métallique. On est à fond niveau vie? Ok. Là on n'aura pas le choix, c'est que de la bagarre. Bagarre!
Je vais canner. Je vais clamser sa mère. Pas le choix, je suis obligé. Je suis tellement mort. C'est moi ou ils sont immortels? Ah, ils sont full immortels. Est-ce que je dois tout recommencer? Question. J'en ai deux. Non. On est des suicidaires, on repart, hein. Le secret, c'est de ne pas me focaliser sur les ennemis. Faut juste que j'allume les blasons. Ah non, les blasons, ça... D'accord, ok. Pour pouvoir les buter, faut que j'allume les blasons. Je vois le délire. D'accord. Voilà, là on fait plus le malin là. Ah, c'est bien, il me laisse finir. Bon, par contre, tu crèves pas et ça me saoule, ça. Voilà, merci. Oh, une fois que tu comprends le truc, ça passe, ouais. Je comprenais pas pourquoi ils étaient invincibles.
Il y a un truc que j'ai pas vu sur elle. L'essence de technique et... PAN! Mais c'est pas fini! Je m'en servirai pas. Mais... On a débloqué une arme. Ah, j'ai pas Agni Rudra sur moi. Mmh, du progrès. Ouais, elle était pas ouf cette mission. Hein. J'ai cané pour rien à la troisième, c'est dommage. C'est parti, mission 7. Oh, je déteste cette mission. Okay.
Tac. Tac, qu'est-ce que je débloquerai au prochain niveau? Je sais pas encore. Ça va, on n'est plus très loin. Enfin, on va grinder un peu, mais on va pouvoir passer niveau 99. Ouais, Sword Master aussi. Voilà. Gunslinger. Ok. Et Royal Guard, bien sûr. C'est vraiment dommage que le système de changement de style, il existe qu'à partir du 4. Parce que dans le 3, il en aurait bien profité. Franchement, ce qu'il devrait faire, c'est reboot. Enfin, pas reboot, mais remake. Au moins le 2 et le 3. Histoire d'uniformiser le gameplay. Et surtout, peut-être pour ajuster, accorder le scénar, machin, tu sais. Remettre la série clean. Parce que le 5 a 7 un standard. Ce serait bien qu'on remette les autres épisodes au même standard. Allez, c'est parti! Ok, donc nous on va par là. Oh bah tant qu'à faire, hein. Rien ici, ok. Let's go. Ok. Ah ouais, faut grimper de l'autre côté, c'est vrai. Oh yes, j'ai eu une orbe bleue.
Ok. Ah oui, c'est vrai. Fais voir. Ça, on va en avoir besoin. Et on se casse. Je perds pas mon temps avec les statues, elles font. Tu peux les esquiver, tu te casses. Ah, quel bonheur. En gros, t'en as pour une éternité si tu les tues pas eux, parce que c'est eux qui invoquent les autres monstres en fait. Voilà, une fois qu'ils sont butés, ces deux-là. C'était quoi ce bruit? Ok, il y a un item. Nickel. Je peux aller par là? Ça mène où? Ah. Ouais, non, un triple S, j'arriverai pas à le faire. Je peux aller jusqu'à S, mais triple S, ce serait trop costaud. Ok, donc cette pièce, je peux pas y accéder pour l'instant. Ah attends, je viens de percuter un truc.
Ok, donc c'est pas pour. J'ai cru que le hurlement de la sirène il servait à. Ok, donc c'est pas ça que je dois faire. Si Tani Muko Elevator no Yu Dagai Mahai Ukona Ugonakai. D'accord, ok. Ah non, c'est pas par là que je dois passer, ça y est, je me souviens. Ouais, c'est un petit peu labyrinthique quand même, le Temenigrou. Bon. On se donne 10 minutes et après, je pense que je vais faire une petite pause. Et c'est parti pour la chute. Il faut tous que je les éclate, ok. Ah non, c'était ça qu'il fallait que je chope. Ok. On est reparti. Il me semble que le fragment, ça peut alimenter élévateur Kun. Yes. Ok, les étoiles s'alignent. J'espère juste pas avoir à affronter des crapules ici. Non, c'est pas encore le cas. Ah mais...
Voilà. Et donc là, on retourne ici. Et là, avec le truc de la sirène, on peut éteindre ça. Voilà. Ce qui nous amène ici. Oh, je crois que je sais où je vais. J'aime pas ça. C'est temporaire en plus cette histoire. Ouais. C'est ça. Et le pire c'est qu'il revient intact après. Oh, j'aime pas ça. Putain. Ah. Voilà, merci. Et bon, ça après, c'est facile ça. Je vais m'énerver. Ils sont tous en train de me sauter à la gorge d'un coup là. Je suis en pleine esquive, tu vas pas me casser les couilles. Tu sais, je suis en train d'attaquer, le gars il peut passer à travers mes attaques maintenant. Du coup, faut que je redéfonce cette boule.
Ouais, c'est ça. Faut que je redéfonce cette boule. Chiantos, ah, c'est bon. Pfiou. Arrête avec cette putain d'attaque, ça me saoule. Pareil, là, il m'a pas touché, là. Arrête! Ah là, relou! J'aime pas jouer à une fer comme ça, mais quand tu me prends des coups de pute comme ça. Voilà, merci. Putain, ce qu'il faut pas faire quand même. Avec tout ça, j'ai combien de vie? J'ai quasiment rien, hein. Ça va être complexe là, hein. On reprend l'ascenseur. Je vais me la retenter. Bon alors.
Ouais, non, le mieux que je puisse faire, c'est un S. C'est dommage. On aura tenté. Bon, là, il y a un vilain pas beau qui va popper. Arrête. Putain. Oh. Putain, je m'en sortais trop bien. Oh. Ne me dis pas. Non, ça va. C'est bon. Vous savez quoi, on va faire une petite pause. Une petite demi-heure, rien de bien. Une toute petite pause, une petite demi-heure, ouais, je vais regarder juste si c'est bien paramétré sur 30 minutes. Hop. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est bon. Voilà. On se dit dans une demi-heure et puis on se termine le jeu. Si on dépasse les 20h, c'est pas grave. Idéalement, ce serait bien qu'on finisse à 20h. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao!